Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio. Benjamin Müller. Voilà, j'aime beaucoup. On y va, l'info scolaire pour ouvrir ce journal. Comment renforcer la mixité scolaire et sociale à l'école? Hier, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a présenté des mesures dans le but d'inverser cette tendance lourde en France. Nous sommes l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leur réussite scolaire. Ce sont les enquêtes, tous les trois ans, les enquêtes PISA qui font référence et qui nous l'apprennent. L'ascenseur social est en panne à l'école française. Il faut donc le réparer. Parmi ces mesures, la création de sections d'excellence, comme des sections internationales dans des territoires défavorisés, la création de binômes de collèges contrastés socialement, mais aussi en mettant à contribution des écoles privées. Aïe, 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 chantier politiquement explosif, nous dit la presse ce matin. L'opposition craint notamment le spectre de la guerre scolaire. Souvenir de 1984 où le privé était menacé de perdre son autonomie. La suite des annonces du ministre est attendue pour le 17 mai. Vous savez quoi? On suivra de près. L'info sportive maintenant. Get up, get ready to go. Quel exploit, les amis, mais quel exploit, exploit qu'on ne mesure sans doute pas assez. Cet exploit porte un nom, Clarisse Agbenienou, la championne olympique de judo sacrée mercredi, championne du monde de judo. Alors, bravo, championne du monde pour la sixième fois, on est déjà là, c'est un sacré exploit, mais surtout, elle a obtenu ce sixième titre seulement 11 mois après avoir accouché de sa petite Athéna. Dans les interviews, Clarisse Agbenienou déclare avoir voulu sacrifier ni sa maternité, ni sa carrière d'athlète, maman ou athlète de haut niveau. Pourquoi choisir? Voilà, elle pose la question. Alors, Clarisse Agbenienou, on l'aime particulièrement dans cette émission. Là, c'est quand elle était venue il y a quelques années. Pour nous parler de l'association SOS Préma, dont elle est marraine, Clarisse Agbenienou, elle-même ancienne grande prématurée, née, qui a vécu plusieurs jours, plusieurs semaines dans le coma après sa naissance et qui donc aujourd'hui forcément inspire beaucoup de monde et notamment les parents d'enfants Préma qui la suivent de près. Je crois qu'elle est un soutien très important. C'est son premier enfant ou pas? Pour eux, c'est son premier enfant, oh, okay. Sa première fille qui s'appelle Athéna. L'info tendance pour terminer. Oh là là, mais vous êtes vraiment sur Est-ce que vous connaissez le sitter-vising? Alors, eh bien, il s'agit d'une tendance qui prend de l'ampleur. Et vous savez, je suis un peu un dénicheur de tendances. C'est incroyable. Ouais, ce mot vient de sitting, être assis, et supervising, qui veut dire superviser. Concrètement, on parle des parents qui surveillent leurs enfants tout en restant assis. Alors, vous allez me dire, super, c'est quoi ton truc bidon, Benjamin? Mais non, c'est très intéressant. Cette manière de surveiller les petits, c'est l'opposé de la parentalité dite hélicoptère. Ces parents, toujours derrière leurs petits, prêts à bondir au moindre problème. Non, le fait de rester assis, c'est de surveiller de loin, que ce soit chez soi, au parc, à la plage. C'est un moyen de lâcher prise, très bon, apparemment, pour l'autonomisation et la confiance en soi des enfants. La presse croit savoir que cette tendance va marquer l'année 2023. Plus hélicoptère, vous, ou plus assis, on le check de loin? Non, de loin. Moi, de loin. Non, non, c'est... moi, j'ai pas... mes angoisses ne se mettent pas là. Elles se mettent beaucoup ailleurs, mais pas là. Là, ça va. Eh bien, je crois que c'est bon et on en parlera peut-être avec Aurélie Calais. On ne peut pas se quitter sans rendre un hommage quand même. Bien sûr, disparition hier de Thierry Courtin, le créateur de Tchoupi. Tchoupi, l'un des personnages les plus célèbres de la littérature jeunesse en France. Tchoupi, on rappelle, petit garçon de 3 ans, héros de nombreuses histoires à visée éducative. Attention! Ah, on a la rêve. Tchoupi mange de tout, Tchoupi dort chez papy et mamie, il va sur le pot, il prend une douche, c'est l'hygiène, etc. Thierry Courtin restera comme l'un des premiers auteurs à avoir abordé ces thèmes pour les enfants. Le premier Tchoupi date de 1992, donc beaucoup de générations ont été marquées par ces histoires. En tout cas, nous, en tant que parents, on est très marqués quand on entend ce petit générique, ça nous met Il y a une petite Madeleine. Une Madeleine. Mais moi, j'ai toujours bien aimé Tchoupi. Alors que petit ours brun, tout ça, parfois on peut. Petit ours brun, la mère, elle a une jupe au milieu de la jambe et le père est comme ça avec son apéro pendant qu'elle cuisine. Ouais. Bah, évidemment, on l'aime moins. C'est vrai que c'est tellement rétro. C'est pas un truc petit de dingue. Petit ours brun, c'est petit ours brun, c'est papa travail, maman est en train de faire la vaisselle. Elle coud. Et vous avez vu comment elle est sapée? Pardon. Hein. Bon, voilà. Ah non, là, fallait pas me chercher sur petit ours brun. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce super JT.